بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم cours de français présenté par M. Hanem. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 février 2018. Programme de quatrième année primaire. Programme de quatrième année primaire, livre de lecture, page 65. Page 65. 65. Je lis et je comprends. Je lis et je comprends. Ah, lis le texte. Ah, lis le texte. Au gala. Au gala. C'était le plus grand moment de l'année. C'était le plus grand moment de l'année. Nous nous rendions au gala. Nous nous rendions au gala surtout pour récupérer les jouets. Surtout pour récupérer les jouets. Et un peu pour assister à la fête. Et un peu pour assister à la fête. Voir les magiciens, les clowns et rire. Voir les magiciens, les clowns et rire des jeux sur la scène. Des jeux sur la scène. Cette année-là avait été particulière. Cette année-là avait été particulière. La nuit froide de l'hiver. La nuit froide de l'hiver était tombée très tôt. Était tombée très tôt. Et nous n'avions pas les chaussures qu'il fallait. Et nous n'avions pas les chaussures qu'il fallait. Je répète la lecture du texte au gala. C'était le plus grand moment de l'année. Nous nous rendions au gala surtout pour récupérer les jouets et un peu pour assister à la fête, voir les magiciens, les clowns et rire des jeux sur la scène. Cette année-là avait été particulière. La nuit froide de l'hiver était tombée très tôt. Et nous n'avions pas les chaussures qu'il fallait. 1. Regarde le dessin et réponds aux questions. 1. Regarde le dessin et répond aux questions. Voici le dessin. Je regarde le dessin. Voici le dessin. Les questions. C'est le plus grand moment de l'année. Pourquoi? Je répète la première question. C'est le plus grand moment de l'année. Pourquoi? La deuxième question. Que voit-on sur la scène? Je répète la deuxième question. Que voit-on sur la scène? La réponse. Regarde le dessin et réponds aux questions. C'est le plus grand moment de l'année. Pourquoi La réponse. C'est le plus grand moment de l'année car nous nous rendions au gala pour récupérer les jouets et assister à la fête. Je répète la réponse de la première question. C'est le plus grand moment de l'année car nous nous rendions au gala pour récupérer les jouets et assister à la fête. La deuxième question. Que voit-on sur la scène La réponse. On voit sur la scène des magiciens et des clowns. Je répète la réponse de la deuxième question. On voit sur la scène des magiciens et des clowns. 2. Donne le contraire des deux adjectifs soulignés. Je répète, la deuxième question. 2. De, donne le contraire des deux adjectifs soulignés. La nuit froide. La nuit froide. La grande fête. La grande fête. La nuit froide. La nuit, le sujet. Froide, l'adjectif qualificatif. Comment est la nuit? La nuit est froide. La grande fête. La grande fête. Grande adjectif qualificatif. La fête, le nom. Comment est la fête? La fête est grande. Je donne le contraire des deux adjectifs qualificatifs soulignés. La réponse. Donne le contraire des deux adjectifs soulignés. La nuit froide. Le contraire la nuit chaude. Je répète. La nuit froide, le contraire la nuit chaude. La grande fête, le contraire la petite fête. Je répète. La grande fête, le contraire la petite fête. B. Li. B. Li. Yassine et magid préparent la fête. Qui prépare la fête Yassine et magid préparent la fête. Le sujet. Yassine et magid c'est le sujet. Yassine et magid préparent la fête. Je remplace le sujet par le pronom « il ».« Il » au pluriel. « Il » avec un « s » prépare la fête. Je répète. Yassine et magid préparent la fête. Il, avec un s, prépare la fête. Je remplace Yassine et Magite par le pronom il, au pluriel avec un s. Les garçons préparent la fête. Qui prépare la fête? Les garçons. Les garçons, le sujet. Je remplace les garçons par le pronom il, au pluriel avec un s. Les garçons préparent la fête. Il, avec un s, prépare la fête. Remplace le sujet de la phrase par le pronom ⁇ il ⁇ Remplace le sujet de la phrase par le pronom ⁇ il ⁇ Voici le sujet de la phrase. Les clowns. Les parents. Youssef et Yassine. Les enfants. Le sujet est en bleu. Alors, je répète la question. Remplace le sujet de la phrase par le pronom il au pluriel. Pendant la fête, les clowns plaisantent avec les enfants. Les parents sont contents. Youssef et Yassine jouent et s'amusent avec les magiciens. Les enfants dansent de joie. Quelle belle journée. Je répète. Remplace le sujet de la phrase par le pronom il au pluriel avec un s. Pendant la fête, les clowns plaisantent avec les enfants. Les parents sont contents. Youssef et Yassine jouent et s'amusent avec les magiciens. Les enfants dansent de joie. Quelle belle journée. La réponse. B. Remplace. Le sujet de la phrase par le pronom il. Pendant la fête, les clowns plaisantent avec les enfants. Les parents sont contents. Youssef et Yassine jouent et s'amusent avec les magiciens. Les enfants dansent de joie. Quelle belle journée! Je remplace le sujet de la phrase. Les clowns, les parents, Youssef et Yassine et les enfants par le pronom il au pluriel. La réponse. Pendant la fête, il plaisante avec les enfants. Il s'en content. Il joue et s'amuse avec les magiciens. Il danse de joie. Quelle belle journée Je répète la réponse. Pendant la fête, il plaisante avec les enfants. Il, avec un s, remplace les clowns. Il, il sent content. Il avec un remplace les parents. Il joue et s'amuse avec les magiciens. Il avec un remplace Youssef et Yassine. Il danse de joie. Il avec un remplace les enfants. Quelle belle journée! C. Lis la phrase. C. Lis la phrase. Il achète un livre. Il achète un livre. Un livre complément d'objet direct. COD. Je répète. Il achète un livre. Un livre complément d'objet direct. COD. Il achète quoi? Il achète un livre. Pour trouver le COD, le complément d'objet direct. Je dois poser la question qui ou quoi Il achète quoi Il achète un livre. Livre, un livre, le complément d'objet direct. COD, C pour complément, O pour objet et D pour direct. Que font les amis Que font les amis Complète les phrases avec les mots suivants complète les phrases avec les mots suivants. le sang, devoir, histoire. le sang, devoir, histoire. la réponse. Amira fait ses devoirs. Yassine lit une histoire. Majid révise sa leçon de français. je répète la réponse. Amira fait ses devoirs. Yassine lit une histoire. Majid révise sa leçon de français. D. Écrit dans ton cahier. D. Écrit dans ton cahier. Majid, c'est le 5 juillet. Lina, oui, c'est la fête de l'indépendance de notre pays, l'Algérie. Je répète. D. Écrit dans ton cahier. Magide. C'est le 5 juillet. Lina. Oui. C'est la fête de l'indépendance de notre pays, l'Algérie. Attention à la ponctuation. Les deux points. Les deux points. Voici les deux points. Les deux points. Les deux points. Et voici les guillemets. La ponctuation. Les deux points. Les guillemets. Et le tirer. Le tirer. Voici le tirer. Voici le tirer. Je, je répète la ponctuation. Les deux points. Le tirer. Les guillemets. Les guillemets, les deux points, le tiré, les guillemets, le point et les guillemets. Je répète la ponctuation des deux phrases. Les deux points, le tiré, les guillemets, les guillemets, les deux points, le tiré, les guillemets. Le point, les guillemets. Voici un tiré. Voici les deux points. Je répète. Voici le tiré. Voici les deux points. et Rabbil Alameen.